Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Superman. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et soyez les premiers à regarder notre prochaine vidéo. Ah! Mes frères et sœurs, que se passera-t-il dans notre prochaine vidéo? Révélation. Cette vidéo apparaît ici. Vous allez la regarder. En cliquant sur ce bon, vous allez laisser aussi sur la page d'accueil. Abonnez-vous sur notre autre chaîne et soyez prêts parce que ce qui arrive. C'est pas du jeu. Si nous nous réveillons aujourd'hui aussitôt pour faire cette vidéo, c'est pas pour rien. Il y a un truc. Mes frères et sœurs, vous savez bien que depuis le 11, le pays est bouleversé par quelque chose qui se passe. Une star du pays a eu un accident. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, on assiste à des phénomènes bizarres. À un moment donné, on nous a dit que cette star est décédée. Et au même moment, un pasteur est venu et ce pasteur a demandé à prier pour la résurrection de cette star. Pour la première fois dans le pays, un pasteur arrive pour chercher à prier pour cette star. Est-ce que c'était une mise en scène? Est-ce que c'était un faux pasteur qui voulait faire le buzz, mes frères et sœurs? S'il voulait faire le buzz, en tout cas, c'est que c'est un bon buzz. Parce que si cette star-là s'était réveillée, ce serait même une bonne affaire pour nous. Ce qui s'est passé même en ce moment-là, ça devient même de plus en plus grave. Au départ, les gens venaient pour chercher buzz. Mais en ce moment-là, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en ce moment où nous sommes en train de vous parler là, il y a un truc qui se passe. Vous savez, les cyberactivistes sont là en train de parler. Chacun donne son opinion, chacun parle de ses choses. Certains disaient au départ, ah c'est venu pour faire le buzz, c'est venu pour chercher des vues. Mais aujourd'hui, quand je regarde, ça n'a rien à voir. Parce que aujourd'hui, là, alors ils sont en train de vous parler, comme nous avons dit hier, les fans, c'était un groupe de fans croient que cette star là est toujours en vie. Et qu'elle se prépare à être sacrifiée en ce moment, ils sont en train de vous parler. C'est ce qu'ils sont en train de dire, c'est cette vidéo que vous allez voir ici en long et en large, sous forme de témoignage puissant. Mes frères et sœurs, c'est réel. Hein? En fait, moi, je commence à croire à ceux qui disent que c'est ça encore en vie, hein, moi, franchement. Parce que de la manière, les gens sont en train d'insister, de parler, de confier. Ah, mais si c'est vous, qu'est-ce qui ne va pas? Même si c'est vous, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un véritable mystère autour de la disparition de cette star. Vraiment. Vraiment. Pas de la blague. Et toutes ces personnes-là sont autour de parler. Pour dire que franchement, elles pensent que cette star-là est toujours en vie. Et les gens veulent l'utiliser maintenant, ou encore les gens sont en train de la préparer pour des rituels. Cette vidéo va apparaître ici en long et en live, vous allez voir, vous allez entendre ce que les gens sont en train de dire. Ah, ça, c'est tout, c'est pas de la blague, hein. Ça n'a rien à voir avec le buzz, Mais dans cette vidéo, une femme va nous dire que il y a une des proches à ce dernier qui a dit que le jour de sa disparition, là, à l'hôpital là-bas, elle va nous dire qu'il y a 8 ministres qui sont venus. On nous dit qu'il y a un ministre, mais elle va nous dire 8 ministres qui sont venus là-bas. Mais personne ne sait. Elle dit que c'est l'un des membres des proches de Dieu, à cette famille qui l'a dit. Mais qu'est-ce que ces gens-là foutaient là-bas? Comment la disparition d'une personne peut-elle amener plusieurs personnes à s'intéresser au cas, au sujet comme ça? Pourquoi tant de bruit autour de la disparition de quelqu'un? Il y a un truc. Mes frères et sœurs, il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe. Et nous devons aussi analyser ce chemin-là. Parce que les gens sont en train d'insister, les fans sont en train d'insister sur le fait que cette star-là est quelque part. Gens ont dit que cette star est quelque part. Et ces stars-là, des gens pris en otage, et les gens sont en train de la préparer au sacrifice. Certains même vont plus loin pour dire que ces stars-là étaient d'être drogués pour
que les plus humains viennent comprendre à ce qui se passe et qu'à la fin puisse être sacrifié et que nous devons nous lever pour sonner la lampe jusqu'à ce qu'on puisse voir le corps. Parce que beaucoup de personnes sont en train de dire que même la mère jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore vu le corps. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous ne devons pas négliger les gens qui se lèvent et qui crient, qui crient, qui crient, qui insistent, qui insistent, qui insistent, qui insistent. C'est pourquoi nous allons encore faire des recherches sur ça et vous poster d'autres vidéos qui vont permettre de comprendre les choses. Si vous n'êtes pas abonné, vous mettez à activer la cloche et dites-nous ce qui se passe. Maintenant, réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit que cette star-là, elle était dans les... Elle appartenait à un groupe de mystiques. Vous voyez, vous savez que quand vous faites partie d'un groupe de mystiques de haut niveau, même si c'est un groupe de mystiques de niveau le plus bas, ce qui se passe, c'est que quand vous perdez la vie, ces gens-là viennent vous voir, les premiers même à l'hôpital. Il peut faire là des prières mystiques pour que vous puissiez vous réveiller. Il peut faire vous faire sortir même de l'hôpital à l'instant parce que ils ont des pouvoirs mystiques pour le faire. Ou si il veut vous tuer, ils peuvent faire en sorte que les gens vous voient comme mort, c'est-à-dire les médecins qui font des diagnostics et ils vous trouvent mort parce qu'ils vous ont demandé quelque chose sur vous. C'est pourquoi quand une personne célèbre est dans le coma, est à l'hôpital, il est vraiment très important même de ne pas laisser une personnalité rentrer là-bas parce qu'il y a des gens même qui sont comme ça, qui sont dans les bails, dans les trucs bizarres, dans les trucs chelous qui sont parmi nous, même qui sont même dangereux. Mais personne ne sait parce que ces gens ont de l'argent, ces gens ont tout. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a un truc pareil. Vous ne pouvez même pas vous poser cette question. Mais c'est vrai et c'est réel. C'est vrai et c'est réel. Et voici des choses bizarres qui ont lieu. Autour du corps du gars. Autour du corps du gars. De cette star. Ah, on nous dit qu'elle a été déplacée. C'était nous disent que son corps n'aimait pas à la mort en ce moment. Et que son corps a été expatrié. Qui vient nous parler? Oh? Qui vient nous parler? Qui donne des informations? Oh? Qui donne des informations? Mais vous savez que chez nous, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, non? Il n'y a pas de fumée sans feu. Peut-être que ce sont des gens, peut-être qui appartiennent au même groupe, qui veulent attirer notre attention, qui sont en train de donner des informations. Parce que vous savez que dans les games, on ne peut pas trop parler. Donc, ils se cachent et puis ils donnent des informations. Ah, ce gars-là, c'est ça là, moi je l'aimais bien. Mais ce que mes collègues sont en train de faire là, c'est pas une bonne affaire. Donc, ce que Ojiku peut faire, c'est de donner des informations aux gens pour qu'ils balancent. Ils balancent, ils parlent pour réveiller les gens ou la population sur quelque chose de secret qui a été ce produit. C'est pas. Ça aussi, c'est pas faux. Hein? C'est pourquoi moi actuellement je suis en train de me réveiller un peu pour regarder un peu ce niveau-là, ce côté-là. Pour de savoir même pourquoi les gens crient comme ça. C'est comme Caïn et Abel. Ils se sont battus. Caïn a tué Abel. Mais sans Abel couleur comme ça. Et ce sont la crière vers Dieu. Ce sont crier. À un moment donné, Dieu lui-même a commencé à même dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de crier là? Quoi? Et c'est là qu'il a trouvé ce qui s'est passé là. Vous avez vu, non? Ha! Ceux qui sont en train de crier comme ça et qui croient à cette affaire, continuez à crier, ça va réveiller les gens. C'est pour vous aider que nous faisons, que je fais même cette vidéo pour que les gens puissent bien entendre aussi votre voix. Mes frères et sœurs, si vous pouvez partager cette vidéo, partager les vidéos qui vont venir, même les vidéos précédentes, vous pouvez les regarder pour bien informer, être informé sur ce qui a été passé. Ah, en tout cas, moi, ce que je sais, je vous ai dit, quand vous appartenez à une secte et que vous mourrez là, ou bien quand vous êtes au stade de la mort, tous ceux qui appartiennent à cette secte là, ils viennent tous vous voir. Et quand ils arrivent comme ça,
chacun veut prendre pour lui. Oui, chacun veut prendre pour lui. Et toi, tu vas dire, qu'est-ce qu'il veut prendre? Mais frère, c'est mystique. Ils arrivent vers toi comme ça et puis ils te disent, où est la chose que tu as à nous donner? Parce que tu nous dois quelque chose. Ils doivent prendre quelque chose sur vous. Ça peut se passer comme ça. Vous allez voir que ils vont annoncer, le docteur va annoncer aux gens que la personne est décédée. Et effectivement, tout le monde que la personne est décédée. Mais eux, quand ils arrivent, ils savent comment faire pour réveiller la personne. Sans doute, c'est la raison pour laquelle Dieu a. Sans doute, bon, je ne sais pas si c'est Dieu qui envoie le pasteur, mais sans doute, c'est la raison pour laquelle le pasteur est arrivé là-bas à l'hôpital. Peut-être que c'est Dieu qui lui avait dit des choses, que le Saint-Saint n'était pas encore mort, et qu'il y avait un truc qui était s'est passé. Et peut-être même aussi que ce sont des choses qui sont arrivées pour juste nous réveiller les yeux sur ces choses qui sont de se produire autour du cadavre du gars, bon, autour du corps du gars. Bon, moi, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore sur le corps. Franchement, il y a un truc vraiment terrible qu'on ne peut pas expliquer facilement ici, mais qu'on a besoin quand même d'étudier. Nous allons comprendre ça aujourd'hui. Nous allons comprendre ça même. Nous allons étudier le cas. Et si c'est dans la terre quelque part en vie, mais attrapé par ses ennemis qui cherchent maintenant à vraiment en finir avec elle. Est-ce que vous avez pensé même à ça? Est-ce que vous avez pensé même à ça? C'est réel, hein? C'est pas que nous voulons vous faire peur ce matin. C'est pas que nous voulons vous traumatiser. Mais c'est réel. On nous a dit quoi? On nous a dit que vers la fin. On nous a dit qu'à un moment donné, c'est ça, elle a eu tellement de problèmes qu'elle cherchait des solutions d'après des révélations qu'on a reçues. Bon, elle cherchait des solutions. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu des solutions? Nous savons que la solution, c'est sur Dieu. Hein? C'est Dieu qui peut nous donner la solution et les pasteurs sont là. Mais pourquoi Sesta-là n'a pas pu trouver une solution rapide ou encore près d'elle? C'est sans doute parce que les pasteurs que Sesta-là a l'habitude de voir, même, qui sont même autour de nous, qu'on connaît là, sans doute, eux aussi appartiennent au même groupe. Et puisque lui les connaît, il ne peut pas les se confier à eux, sinon ce serait même sa mort, ça va aggraver sa situation. Sans doute c'est ce qui a fait son blocage. C'est pas tous ceux qui vont à l'église là, qui ont tous besoin d'argent. C'est pas tous ceux qui vont à l'église là, qui ont besoin de prospérité d'eux. Il y a des gens qui sont tous dans les bains noirs. L'heure est venue, on veut les sacrifier. Eux, ils ont besoin qu'on prie pour leur délivrance. Ils ont besoin de protection forte. Ils ont besoin d'une vraie protection. C'est vrai, hein? Et les gens sont tous de prêcher matin, midi, soir. Oh, Dieu veut te bénir, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, Dieu va te donner l'argent. On s'en fout de ça aujourd'hui, on s'en fout de ça demain. Je dis, on s'en fout de l'argent aujourd'hui, et puis on s'en fout de l'argent demain. Les gens ont besoin d'être sauvés, des âmes, des gens même qui sont dans les bails noirs. Tu vois le gars, lui, il allait même embrasser le sein d'une vieille femme là-bas, dans des rituels, et à cause de ça, Il va mourir. Il a conçu tout ça. Mais il lui reste peu de temps pour mourir. Mais il lui reste peu de temps à vivre. Tout. Sotin est venu. Il cherche une solution. Il n'en trouvait pas. Son est arrivé. Il se balade partout. Il rentre dans les églises. Il n'en trouvait pas. Il rentre même dans certaines églises. Il trouve même d'autres pasteurs même qui sont même dans le même groupe de ritualistes que lui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens commencent à mourir sans espoir, en allant tout chercher. Et ils sont dans les problèmes. Mon frère, si tu es dans cette situation, moi je vais te dire, aujourd'hui là, on nous dit, des révélations nous ont donné, qu'on a reçu ici, nous ont révélé qu'aujourd'hui, 90%, moins 90%, même 80%, pour être gentil,
On nous dit 80% au moins des pasteurs appartiennent à des sectes. Même si on est un couple bizarre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est fait. Si c'était faux, Cesta-là aurait pu trouver au moins rapidement une solution auprès des gens qui sont des pasteurs même de renom même du pays, des renommées du pays, des personnes connues. C'est pas parce que les pasteurs connus qu'il est vrai. Faites attention. C'est pas parce que tu rentres et tu vois une grande église que ce gars-là, c'est un vrai. Il peut même être le diable. Faites attention. Et voici que dans cette situation, on va voir un pasteur venu de nulle part. C'est bizarre. Et même les gens vont se mettre même à l'insulter. Qui sait? Peut-être que c'était le vrai, que c'est ça la chercher depuis tout le temps. Mais qui était venu au moment. Moi, ça m'étonnerait que cette affaire reste comme ça. Les gens sont en train de parler depuis. Moi, ça me dérange. Il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir attirer l'attention des gens sur ce que ces gens sont en train de dire. Et il faut que nous réagissons pour analyser aussi cette situation. Et il faut qu'on prie pour que Dieu puisse nous orienter par rapport à cette affaire. Et si cette salle était toujours en vie? On nous a dit que du 30 au 31 août, il y aura un mouvement au stade. Qu'est-ce qui se prépare après même ce mouvement, même pendant ce mouvement et après ce mouvement? Parce qu'on a appris que des leaders, des groupes de sectes sont venus dans le pays. Or, des gens nous ont dit que quand ces gens-là arrivent dans le pays, c'est qu'il y a problème, il y aura problème qui va venir dans le pays, le sang va couler. Est-ce que c'est ce que nous on veut? On ne veut pas ça dans notre pays encore. Nous faisons cette vidéo pour essayer de voir. Peut-être que la disparition de cette salle vient pour sonner la lame sur certaines choses bizarres arrivent. Cette affaire doit nous intéresser. C'est plus une question de buzz. C'est une question de vie ou de mort. Nous devons vraiment nous lever. C'est parti. Abonnez-vous, partagez cette vidéo sur les propres chaînes.